聞こえたか感じましたか王の帰還を歌っているクジラ世代から世代へ死ぬことなく遠くの嵐が空を揺らしている嵐が来たぞ千里の空に波が踊るドラム鳴らせ臆病風に吹かれりゃ最後明日の朝日がないじゃないそしてなおジオの騒ぎがまだ共鳴する戻ってきた確かに太陽の光が全てを変えるでしょう聞いているのは太鼓の音ではありませんいえ8世紀後彼の心臓は自由の主張しますSon pouvoir a voyagé à travers le temps. L'histoire a eu beau tenter de le faire oublier, le dieu du soleil est de retour pour libérer le monde. Le Nika Nika no Mi, fruit de Monkey D. Luffy, est éveillé. Et c'est dans la sève même des dieux que la volonté du Di s'est cristallisée durant 800 ans. Ça y est, l'ambre a été brisée, l'aube nouvelle est sur le point de se lever et son cœur commence à battre au rythme des tambours. Oui, Joy Boy, roi de l'ancien royaume, est de retour. Ça y est, One Piece ne sera plus jamais comme avant. Il y aura un avant et un après chapitre 1043. Bonjour à tous et bienvenue au Mont Corvo. Voici Kitaro et voici Kamal Tero. Vous êtes en train de lire ce que Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, a en tête tout seul depuis près de 25 ans. Chapitre exceptionnel, vidéo exceptionnelle. Bienvenue donc dans l'analyse complète du 1043e chapitre de One Piece. Une vidéo qui nous aura demandé beaucoup plus de travail que d'habitude. C'est pourquoi, pour un chapitre qui brise tous les records, on compte sur vous pour briser le nôtre. On compte donc sur vous pour mettre plus de 30 000 pouces bleus sous cette vidéo. Ça nous aide énormément, merci beaucoup. Et surtout parce que nous entamons la dernière partie du manga, abonnez-vous à la chaîne pour ne surtout pas louper les prochains épisodes, pour vivre avec nous la fin de One Piece. On arrive aux 600 000 abonnés et c'est absolument fantastique de voir tout le chemin qu'on a parcouru pour arriver à quelque chose qui va bouleverser le manga de One Piece à tout jamais. Le retour du Joy Boy, le véritable nom du Gomu Gomu no Mi et les pouvoirs finaux de Luffy éveillé. Cette vidéo n'épargnera absolument rien. À la fin, vous ne verrez plus One Piece de la même façon. Vous êtes prêts? Parlons de 800 ans d'histoire. Parce que cette vidéo nous aura demandé beaucoup d'investissement en argent et en temps, on voulait vraiment vous remercier d'être aussi patient concernant les placements de produits. On se retrouve donc juste après. Merci beaucoup. La révolution technologique est arrivée. Véritable machine de guerre, découvrez le nouveau bébé de Nubia, le Red Magic 7. Smartphone gaming par excellence, allant de 8 à 18 Go de RAM, il est composé du plus puissant processeur pour Android qui existe, le Snapdragon 8 Gen 1, intégrant le support d'Unreal Engine 5 et ses graphismes stupéfiants couplés au moteur Adreno Frame Motion pour augmenter le nombre d'images par seconde affichées. Laissez donc vos yeux découvrir la meilleure expérience gaming possible grâce à un écran AMOLED de 6,8 pouces pouvant monter jusqu'à 165 Hz et offrez à vos oreilles le meilleur son qui puisse exister sur un mobile grâce à 3 microphones intégrés et un port jack qui fait toujours plaisir. Le tout équipé d'une batterie de 4500 mAh et refroidi directement par un véritable ventilateur intégré au téléphone pour permettre des sessions de jeu d'une très grande durée au top des capacités du téléphone sans le faire surchauffer une seule seconde. Profitez ainsi des meilleurs jeux One Piece et des grands classiques Minecraft, Genshin Impact et Call of Duty avec toujours les doigts au frais. Un bijou de technologie pouvant passer du mode gaming au mode normal pour profiter également d'un smartphone dernier cri et élégant avec son appareil photo et ses 3 capteurs allant jusqu'à du 75 mégapixels pour un résultat magnifique. C'est simple, avec le Red Magic 7 en main, vous n'aurez plus aucune excuse pour perdre. 一体誰に謝ってるの？あなたは何者なの？ジョイボーイ。Il y a 800 ans, vivait un homme qui avait un rêve absurde, un rêve qui fera rire les plus sérieux et consternera les plus enthousiastes. Ce rêve était de rassembler le monde entier autour d'un seul et même banquet pour créer la plus grande fête de l'histoire. Car il en était sûr, c'est à ce moment-là, à ce moment précis, autour du feu, que son cœur, battant au rythme des tambours, son corps, dansant au rythme des habitants du monde entier, et son sourire, brillant dans la nuit, qu'il deviendrait enfin l'homme le plus libre du monde. Reconnaissable grâce à son fruit du démon, le Nika Nika no Mi, sa chevelure brillait dans l'obscurité et donnait le sourire à tous ceux qui en avaient besoin. Véritable résine étincelante, cette sève dorée avait également la particularité de rendre son corps élastique, tant le caoutchouc est créé à partir de résine. Cette ambroisie, véritable nectar divin, coulait donc dans ses veines et permettait d'illuminer le monde. Cet homme était considéré comme un véritable dieu soleil. Mais cette figure n'avait pas de nom. Il était seulement un garçon joyeux. Pour certains, il sera un dieu, faisant rire les gens pour les libérer de leurs tourments. Pour d'autres, il sera un démon dangereux qu'il faut arrêter à tout prix, car on commande d'armes capables de détruire le monde. En effet, ce Joy Boy, garçon joyeux, avait besoin pour réaliser son rêve de l'aide de ses trois amis, Poséidon, Uranus et Pluton. Avec Poséidon, princesse sirène capable de commander au roi des mers, il fit construire l'arche gigantesque de Noah pour faire venir tout le peuple des hommes-poissons à la surface. Avec Uranus, prince de l'harmonie, capable de commander l'éléphant millénaire Zunesha, il fit construire sur son dos le royaume de Mokomo pour faire venir tout le peuple Minx. Et enfin, c'est avec Pluton, capable de naviguer le plus grand et puissant navire au monde, qu'il demanda au charpentier de Water 7 de construire un bateau si gigantesque qu'il serait capable de transporter sur son pont tous les autres habitants du monde entier, pour les rassembler chez lui, dans son ancien royaume, et faire la fête. Qu'ils habitent donc dans le ciel, sur terre ou dans la mer, tous étaient invités, et chaque peuple reçut sa lettre d'invitation, une pour les ailés au plus haut dans le ciel, une pour les amphibiens au plus profond de l'océan, une pour les bipèdes au plus proche de la terre, et une pour les animaux sur leur éléphant. Ces lettres, indiquant la position de l'ancien royaume, sont les rods ponéglyphes, et seulement les quatre réunis permettaient de connaître la véritable position de cette île légendaire, obligeant ainsi l'humanité tout entière à s'entraider pour la toute première fois de son histoire. Une philosophie que certains royaumes humains, apeurés par un tel projet, refutèrent et décidèrent de s'unir pour contrer le rêve dangereux de ce Joy Boy capable par sa mégalomanie de détruire le monde. C'était il y a 800 ans, 20 royaumes s'allièrent pour créer un gouvernement unique mondial et attaquer Joy Boy, avant qu'il n'use de la force de ses trois amis, de ses trois armes antiques capables de détruire le monde. 永遠には保てぬのだ。ここらで一度 Ce jour-là, le clan Kozuki, allié à Joy Boy, écrivit sur des pierres indestructibles appelées ponéglyphes ce qu'il se passa réellement, et le pays de Wano Kuni, autrefois lié au projet de réunification du monde, ferma pour la toute première fois de l'histoire ses frontières pour se protéger. De même, pour l'île des hommes-poissons, peuple désormais réduit en esclavage partout dans le monde si il avait le malheur de venir s'aventurer à la surface. Cependant, ce jour-là, Joy Boy, lui, pourtant aux portes de la mort, son rêve brisé et sa liberté dérobée, arborait toujours un magnifique sourire. Ses cheveux dorés flottaient dans le vent et il le savait, il n'allait pas mourir, car la passion et les rêves sont comme le temps. Joy Boy décida alors d'utiliser la particularité secrète de son fruit du démon, se scellant lui-même dans son fruit, dans de la sève durcie, dans de l'ambre, dont la particularité est de conserver intact celui qui s'y enferme, celui qui s'y cristallise. Comme des insectes de plus de 30 millions d'années, Joy Boy s'enferma donc dans son ambre, qui le conserva durant 8 siècles, jusqu'à ce que quelqu'un arrive un jour à briser la pierre, à briser l'ambre, en éveillant le fruit du Nika Nika no Mi. Aussi contagieuse que son sourire, sa volonté, celle du dit, allait donc se transmettre de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un arrive et porte sur ses épaules 800 ans d'histoire pour défier à nouveau le gouvernement mondial et devenir l'homme le plus libre du monde. Son rêve sera donc transmis de génération en génération et un jour, le roi le prononcera à son tour à ses deux frères. Et l'un, pourtant sérieux, rira et l'autre, pourtant enthousiaste, se moquera de lui. Et un jour, le deuxième roi le prononcera à son tour à ses deux frères. Et l'un, pourtant sérieux, rira et l'autre, pourtant enthousiaste, se moquera de lui. Voilà pourquoi, avant de mourir, c'est avec l'aide du clan Kozuki que Joy Boy écrivit une lettre d'excuse à Poséidon pour ne pas avoir tenu sa promesse, mais la rassurant en lui disant qu'un jour, il reviendra pour terminer ce qu'il avait commencé. Alors forcément, le gouvernement, apeuré en comprenant que le fruit du démon de Joy Boy était en réalité la clé de son retour, décida de le rebaptiser. En effet, pour que personne ne puisse un jour briser l'ambre, le gouvernement effaça de l'histoire toute trace de son véritable nom, pour que personne ne l'éveille à son tour, et dévoilant ainsi sa véritable nature comme sa véritable forme, montrant donc au monde entier que Nika, Joy Boy, le soleil et l'aube étaient revenus. Ainsi, le Nika Nika no Mi deviendra le Gomu Gomu no Mi, et personne en 800 ans ne saura comment l'éveiller. Ce pouvoir est devenu légende, une légende devenue mythe, même pour les plus grandes instances de ce monde. Personne au final ne connaît son véritable nom parce que personne ne sait qui le possède. Ce jour-là, Toki Amatsuki, habitante de Wano Kuni, le comprit et grâce à son fruit, fit un bond de 800 ans dans le futur car elle savait qu'un jour quelqu'un arrivera, un jour quelqu'un héritier de Joy Boy portera sa flamme et son rêve, car cet homme n'a pas de nom, il est une idée, il est un miracle, il est l'espoir et la personnification même de la liberté. Alors oui, c'est certain, un jour Joy Boy reviendra, ce jour arrive sans l'ombre d'un doute car... One Piece wa... Oh oh... Jitsuzai suru. En demandant la signification de la volonté du dit à Gold D. Roger, Edward Newgate le savait. Marshall D. Teach a beau avoir cette mystérieuse initiale dans son nom, il n'est pas celui qu'attend Roger, car Roger lui-même savait pour la résurrection de Joy Boy. Voilà pourquoi le discours final de Barbe Blanche résonne toujours aujourd'hui par son importance, car tout y était expliqué. Cette flamme a été transmise de génération en génération sans jamais s'éteindre. Un jour, quelqu'un arrivera et avec le poids de toutes ces générations, viendra défier le monde. Le gouvernement mondial craint ce jour, mais il arrive sans le moindre doute. Tout nous était dit à Marineford. Un jour, grâce à quelqu'un portant la volonté du dit, Joy Boy reviendra pour défier le monde. Après avoir donc éliminé ses opposants, le gouvernement victorieux s'installa au sommet du monde sur Grand Line, exterminant ses anciens habitants lunariens et instaurant un ordre mondial dont les descendants seront les nouveaux dieux du monde, les dragons célestes. Mais le texte de la véritable histoire, gravé dans les ponéglyphes par le clan Kozuki, ne pouvait être effacé et fut donc divisé en plusieurs bouts et éparpillé dans le monde entier par le gouvernement pour que personne n'apprenne ce qu'il s'est passé durant cette époque, durant ce siècle oublié. L'on raconte alors que si un jour toutes les stèles sont rassemblées, elles permettraient la lecture de l'histoire. C'est ce qu'on appelle le Rio Ponéglyphe. Scientifiques trop curieux, royaumes trop généreux ou encore pirates trop ambitieux, durant 8 siècles, l'obscurantisme du gouvernement, dirigé par ses 5 doyens, opéra des purges partout dans le monde à chaque fois que quelqu'un s'approchera trop près de la vérité, convoquant à chaque fois, pour le bien du monde, que le passé et les armes antiques ne doivent jamais être déterrés. Ainsi disparut l'île savante d'Ohara, exterminée par un Buster Call, comme fut dissous le légendaire équipage des Rocks qui, à God Valley, touchait déjà les tabous de ce monde. C'est alors que fut créée la prison d'Impel Down et les cachots de Marie-Joise pour enfermer ceux qui veulent le retour du soleil. Les prisonniers et esclaves du gouvernement pensaient alors qu'un jour, ils seraient sauvés par le grand guerrier Nika, dieu du soleil, un homme au sourire légendaire venu les libérer de leurs tourments, une figure divine qui apporte la liberté. Ainsi, les trois grandes familles alliées à Joy Boy il y a 800 ans, Pluton, Uranus et Poséidon auraient gardé secrètement leur héritage de génération en génération. Ces familles sont le royaume Ryugu, le clan Kozuki et la dynastie Nefertari, dont les pouvoirs se réincarnent au sein même de la famille royale. De ce fait, aujourd'hui et après 800 ans, c'est durant l'incident de la dernière rêverie que Im et son Gorosei, à la tête du gouvernement, décida de créer une ultime purge pour éliminer les lumières de ce monde, comprenant que la princesse d'Alabasta en était une. Vivi Nefertari, Momonosuke Kozuki et Shirahoshi seraient donc aujourd'hui les armes antiques Pluton, Uranus et Poséidon, capables de détruire le monde pour certains et de le réunifier pour d'autres, mais surtout d'aider aujourd'hui, comme il y a 8 siècles, Joy Boy. Tout cela, Gold D. Roger, seigneur des pirates, accompagné de Silver Hailey et Oden Kozuki, le comprit, en étant le seul et unique équipage pirate à fouler du pied l'ancien royaume en 8 siècles, après avoir réuni à eux tout seuls les 4 rhodes ponéglyphes. Sur cette île, Gold D. Roger apprit le rêve de Joy Boy et pleura de rire en apprenant la vérité. Seulement, c'est via sa discussion avec la prophétesse Charlie qu'il comprit également qu'il était arrivé trop tôt et que les armes antiques n'étaient pas encore toutes nées et que donc le rêve n'était pas réalisable. Mais un jour, quelqu'un naîtra et les surpassera. Pour cela, Gold D. Roger avait besoin de mourir, de se rendre à la marine et de lancer la grande vague de la piraterie pour inciter le monde entier à découvrir le One Piece, découvrir le rêve de Joy Boy sur Love Tale. Le roi dissolut ainsi son équipage et donna à chacun de ses membres une ultime mission: trouver, inspirer, guider et entraîner le futur Joy Boy. Alors, ce sera sur East Blue qu'un jeune garçon se détachera du lot, car possédant le plus grand des pouvoirs, celui de rassembler le monde entier à sa cause. Et ça, tous les amis du roi le remarquèrent dès le tout premier chapitre de notre histoire. Ainsi, Shanks donna son chapeau de paille après avoir entendu Luffy prononcer les exactes mêmes paroles que son capitaine sur Fushia, comme confirmé au chapitre 106. Crocus, quant à lui, au chapitre 105, annonçait déjà que Luffy semble être celui que Roger attendait, et Riley, au chapitre 503, avouait avoir attendu pendant longtemps sa rencontre avec Luffy, avant d'annoncer au chapitre 603 « Le destin prend forme inexorablement, tout ce qui s'est passé était inévitable, et ce n'est peut-être pas une mauvaise idée de vivre encore un peu plus longtemps. » Ceci expliquerait alors les dernières paroles de Roger à son ami, le faisant pleurer sur le pont de l'Euro Jackson, en lui disant « Je ne vais pas mourir, partenaire, car un jour, quelqu'un naîtra et prononcera les mêmes paroles, celui que nous attendons tous, celui qui vous fera rire et pleurer, celui qui deviendra Joy Boy, mais pour cela, il faudra vivre encore un peu plus longtemps. » Voilà pourquoi Shanks et Riley pleuraient ce jour-là, car ils savaient que ça allait être un jour à eux d'inviter, inspirer, guider et entraîner le prochain Joy Boy. Shanks le Roux aurait donc eu en réalité pour mission de retrouver le Nika Nika no Mi avant le gouvernement mondial, et compris qu'il s'agissait en réalité du Gomu Gomu no Mi, lorsque le Cipher Pol lui-même dut se charger de le transporter en Terre Sainte. À ce moment-là, Wuzu, membre du Cipher Pol, échoua à sa mission, et fut envoyé dans les cachots de Marie-Joise où il apprit la légende de Nika à son tour et pria pour qu'un jour, il soit lui aussi libéré par son sourire. Shanks captura donc le Gomu Gomu no Mi et alla se cacher durant des années là où personne penserait à le chercher, dans la plus faible des mers, dans le plus paisible des villages, Fushia en East Blue. Là-bas, il fera la rencontre d'un petit garçon, Monkey D. Luffy, qui mangera par accident le Gomu Gomu no Mi. Voilà comment commence notre histoire. Voilà pourquoi le roux n'avait pas d'autre choix que de donner son bras et son chapeau de paille à cet enfant, car le fruit avait déjà été dévoré. Là est son pari sur l'avenir, qu'il annonça d'ailleurs à Barbe Blanche. L'ultime pari que cet enfant, qui prononça les mêmes paroles que son capitaine, sera bien celui qui éveillera le fruit du démon du Nika Nika no Mi. Mais là où réside toute la poésie de One Piece, c'est que Shanks, n'étant pas allé sur Love Tale, ne savait peut-être pas tout cela. Peut-être que cette histoire est née d'un hasard, et peut-être que Shanks décida tout de même de faire un pari sur l'avenir, de donner son bras comme son chapeau de paille à ce jeune enfant, pour qu'il réalise son rêve en l'invitant à le rejoindre au sommet de la piraterie, car, ironiquement, ce sera bien là, à ce moment précis, qu'il pourra éveiller son fruit du démon, car c'est là, à ce moment précis, qu'il trouvera la mort. Cet homme cherchait un endroit où mourir. Pirate le plus puissant du monde, jamais personne n'aura réussi à vaincre Kaido, car l'on raconte que de toutes les créatures sur terre, dans le ciel ou dans la mer, il est la plus forte de toutes. Ainsi, durant toute sa vie, cet homme, ancien membre des Rocks Pirates, était au courant des tabous de ce monde, était au courant pour la réincarnation de Joy Boy, et cherchait donc parmi ceux portant la mystérieuse initiale dans leur nom, un candidat, une personne capable de faire revenir Joy Boy. Pour cela, il avait besoin de les tuer. Parce que la mort est l'aboutissement de l'homme, Kaido le savait. Pour faire revenir Joy Boy, pour briser l'ambre, il fallait mourir. Voilà pourquoi personne en 800 ans n'a réussi à éveiller ce fruit du démon. Tout simplement car pour l'éveiller, il fallait mourir. Il fallait laisser place au tambour de Joy Boy. Kaido le savait, expliquant pourquoi au chapitre 1014, il annonçait « Toi non plus, tu n'as pas réussi à devenir Joy Boy », confirmant qu'il ne s'agissait pas là de son premier essai, que l'empereur dragon a déjà tué d'innombrables candidats avant le chapeau de paille, et pensait même qu'Oden Kozuki, comme lui-même, en était un. Expliquant pourquoi les dits meurent tous avec le sourire, parce que tous portent la volonté de Joy Boy, mais seulement celui avec le Nika Nika no Mi pouvait le faire se réveiller. La volonté du dit serait donc la serrure, et le Gomu Gomu no Mi la clé. Seuls les deux réunis pouvaient briser l'ambre qui conservait durant 800 ans le pouvoir de Joy Boy. Oui, Monkey D. Luffy est bel et bien mort dans ce 1043e chapitre de One Piece. Sa voix, comme le signifient Trafalgar Law et Momonosuke Kozuki, disparaît, et son cœur s'arrête littéralement pour laisser place au son des tambours, au son de la liberté. Vous n'êtes pas sans savoir, à travers les tenues de Luffy portées dans tout le manga, que Gomu peut se lire en japonais 5 et 6, Go et Mu. Maintenant, le Nika Nika serait donc le Gomu Gomu de l'autre côté du miroir, le même fruit mais caché. Certains ont donc découvert en retournant les chiffres que nous observons 2 et 9, soit Ni et Ko, qui forment l'onomatopée du sourire en japonais, et surtout le mot ambre. Cette base, en japonais, sera utilisée par Eiichiro Oda pour faire un jeu de mots habile entre sourire et son personnage de Nika, prononcé par Luffy, en faisant un sourire. La boucle est bouclée et le Gomu Gomu no Mi serait bel et bien de l'autre côté du miroir, le Nika Nika no Mi. Un fruit permettant à son utilisateur de se régénérer de manière très rapide grâce aux propriétés de la sève, véritable sang des arbres qui expliquerait le sourire plein d'énergie de Luffy à la fin du chapitre. Oui, Kaido a bel et bien gagné contre le chapeau de paille, et il s'agit pour la toute première fois en 25 ans qu'un antagoniste de One Piece est déclaré vainqueur par le mangaka lui-même. La première fois en 25 ans que Luffy perd véritablement un combat. Cependant, Kaido va devoir cette fois-ci affronter un nouvel adversaire, celui qu'il attend de rencontrer. Oui, le dragon va enfin pouvoir trouver la mort face à Joy Boy. Car c'est bien en souriant à la fin du chapitre que Luffy émet le son Nika. En japonais, Nika est l'onomatopée du sourire, mais également un adjectif qui signifie bienveillant. Et enfin, le nom de l'ambre, résine durcie utilisée pour conserver des corps, mais également, vous l'avez deviné, pour faire du caoutchouc. Tout semble donc être prévu depuis le début par Eiichiro Oda. Le Gomu Gomu no Mi ne serait donc pas le Gomu Gomu no Mi, fruit de l'élasticité, mais bien le Nika Nika no Mi, fruit de la sève, dont l'élasticité n'est qu'une caractéristique parmi tant d'autres, comme la conservation éternelle dans de la résine durcie, dans de l'ambre. Nika Nika no Mi serait donc un jeu de mots entre ce qui est étincelant comme un sourire et doré comme de la sève, ou en français, le fruit de l'ambroisie, sève des dieux leur donnant dans la mythologie grecque leur immortalité. C'est donc sans surprise que l'ambroisie permit à Joy Boy une immortalité en se conservant et à Luffy de ressusciter en s'éveillant. Et quoi de mieux que de donner aux singes, goinfre, le nectar des dieux, meilleure nourriture qui puisse exister pour le rendre heureux, le faire danser et le faire sourire, nous renvoyant étrangement à la page du couverture du chapitre 1039, montrant un singe indiquant à Luffy ce qui semble être du nectar de sève, de l'ambroisie. Voilà pourquoi Kaido cherchait à mourir, lui qui jalousait le trio légendaire parti avec panache, cherchait à mourir de façon mythique, et donc cherchait peut-être lui aussi à briser l'ambre, peut-être que lui aussi pensait qu'il était Joy Boy, comme énoncé au chapitre 1037, mais ne savait pas qu'il avait en réalité besoin du Nika Nika no Mi. Ce qui coulerait donc de la tête de Monkey D. Luffy à la fin de ce chapitre 1043 serait de la résine, car notre capitaine l'a fait, parce qu'il est un espoir, un miracle, il est celui qui a brisé l'ambre. Alors, faites parler les tambours au rythme de son cœur, car l'aube nouvelle est sur le point de se lever, et lui est sur le point de se réveiller. Dansez, souriez et pleurez, car après 800 ans, Joy Boy est de retour. 世界政府が青ざめるような事件が起きた。天竜人には誰も逆らわない。それが鉄則の世界。フィッシャータイガーによる聖地マリージョア襲撃事件。まるで呪いをかき消すかのように皆の体に刻まれた天竜人の紋章を。彼は奴隷解放の英雄と呼ばれ。太陽の神。 同時に大犯罪者となった太陽のシンボルに変えて太陽の神に迎えられるのね助けてくれサムラクは殺してくれあの人たちを守って神様いいえ私ではありません 太陽の神が全て治めたのよ。Il y a bien longtemps, bien avant notre calendrier, le peuple des Shandia croyait en la chose la plus précieuse au monde, le son d'une cloche. Un son guidant les esprits de leurs ancêtres vers leur patrie, vers celui qui les accueillerait après la mort, Nika, le dieu du soleil. Une figure bienveillante et réconfortante d'un guerrier légendaire au large sourire, devenu par ses exploits Dieu. A-t-il réellement existé, ou bien n'était-il qu'une invention de l'homme pour se libérer de sa condition et de ses tourments? C'est pourtant des siècles plus tard qu'un guerrier nommé Wiper et fier descendant du grand Kalgara, chef de la tribu des Shandia, n'en revenait pas. Depuis tout petit, l'on lui avait raconté cette légende, et pour la première fois de sa vie, alors qu'il n'y croyait plus, la nuit, au contre-jour de la seule source de lumière émanant d'un banquet où les larmes et les rires se confondaient, à ce moment-là, devant lui et souriant, se tenait Nika, le dieu du soleil. Rappelez-vous, la légende raconte qu'un jour, les esclaves du gouvernement mondial seront libérés par cet homme lumineux, par ce soleil. Un symbole puissant qui sera donc repris par Fisher Tiger, qui, apprenant le mythe de Nika en prison, décida de le devenir, étant le seul homme à avoir attaqué la terre sainte de Marie-Joise pour libérer les esclaves. Lui aussi voulait devenir le dieu soleil, et alla jusqu'à en faire l'emblème de son équipage pirate. Seulement, lui n'était pas guidé par la liberté, mais par la haine, et c'est en mourant qu'il la voit. Il n'était pas Nika. Et même si son bras droit deviendra l'ami du dieu soleil, le cœur de Fisher Tiger, lui, ne battait pas au rythme des tambours. Ce soir-là, autour du feu, ne résonnait pas le son d'une cloche, mais bien celui des tambours. Le son de la liberté et celui du cœur de Joy Boy battant à l'unisson. En effet, il est fascinant de constater que tout était prévu par l'auteur, car c'est bien à ce moment précis, au chapitre 300, écrit le 22 novembre 2003, qu'Eiichiro Oda décidait déjà d'utiliser des onomatopées que nous retrouverons uniquement que 20 ans plus tard, au chapitre 1043. Il s'agit exactement des mêmes sons, ceux des tambours, ceux d'une symphonie qui annonçait le retour de Joy Boy, de Nika, le dieu du soleil, chantant et dansant autour du feu avec exactement la même silhouette que présentée par Wuzu au chapitre 1019. Une silhouette qui reprendra exactement la même pose que la figure mythique de Joy Boy dans les Indes occidentales. Personnification même de l'envie des gens de danser, il est toujours représenté comme un homme joyeux et jouant du tambour. Figure d'espoir et d'affranchissement pour les Afro-Américains réduits en esclavage du 17e au 19e siècle. Il est donc impossible de ne pas penser à Nika, attendu pour libérer les esclaves de Marie-Joise et être celui qui affranchira les hommes poissons victimes de racisme institutionnalisé. Voilà pourquoi Luffy est prophétisé par Dame Shirley comme celui qui va détruire l'île des hommes poissons, car c'est bien en détruisant Marie-Joise, terre du gouvernement mondial, se trouvant au-dessus de l'arbre d'Ève, que Luffy libérera tous les esclaves en devenant Nika, le dieu du soleil, et surtout en amenant tous les hommes poissons vivre librement à la surface grâce à Noah, il deviendra Joy Boy, qui au final, comme écrit dans sa lettre d'excuse, aura tenu sa promesse. Ce Joy Boy est présenté comme souriant tout le temps et jouant un rythme irrésistible au tambour, obligeant quiconque qui l'écoute à venir faire la fête avec lui. Là serait donc l'inspiration secrète d'Eiichiro Oda pour son personnage de Joy Boy et de Luffy, celui qui possède le plus grand des pouvoirs, rallier le monde entier à sa cause, car lui aussi n'existe pas. Il est une idée, un miracle, un espoir, la personnification de la liberté revenue pour faire danser, faire chanter et faire rire le monde entier. Quoi de mieux que la musique comme capsule temporelle? Quoi de mieux qu'une chanson pour conserver le message d'une époque? Quoi de mieux que la musique pour transmettre à travers le temps la volonté d'un peuple? Quoi de mieux que la musique pour contourner la censure aussi sévère soit-elle? Rien ne peut se mettre entre un homme et sa quête de liberté. C'est ainsi que l'hymne des pirates, Binks no Sake, ou le bon saké de Binks, fut écrit il y a maintenant plus de 800 ans, afin de transmettre à travers des paroles codifiées un véritable SOS. Bouteille jetée dans la mer du temps, la chanson détient en réalité toutes les clés de compréhension et dévoile depuis maintenant 14 ans, sous notre nez, la réincarnation de Joy Boy tant attendue par les peuples libres. En effet, chant populaire, tous les pirates, à savoir les hommes en quête de liberté, la chantent comme une prophétie depuis maintenant des siècles et des siècles, et transmettent ainsi l'héritage du royaume antique comme sa formule secrète pour réincarner leur souverain sans que le gouvernement ne le sache, pensant qu'il s'agit d'une simple chanson populaire. Il est ainsi stupéfiant de constater, oui, que le titre du chapitre 488, dans lequel ce chant est écrit pour la première fois, s'intitule « La chanson de la vie qui relie le passé et le présent ». Tout était sous nos yeux. One Piece est un récit particulièrement musical, et le saké de Binks voit dans une œuvre qui ne possède aucun moyen d'entendre des sons sur un papier, l'intégralité de ces paroles écrites, preuve absolue de leur importance à défaut de pouvoir les chanter avant son adaptation en animé. Eiichiro Oda écrivit donc les paroles tout seul 2 ans avant d'en parler à son compositeur Kohei Tanaka, nouvelle preuve de leur importance. Dans l'ombre, l'auteur composait déjà le plus grand secret de son récit, et ce que nous nous apprêtons à découvrir est sûrement prévu depuis plus de 25 ans. Car cette chanson raconte alors en premier plan, pour contourner la censure du gouvernement, mais également les théories des lecteurs de One Piece, l'histoire d'un vendeur de saké qui quitte son village pour vendre sa liqueur. mais le véritable message raconte les circonstances de la réincarnation exacte de Joy Boy. Le chapitre 1043 de One Piece nous présente, sous la confirmation de Zunesha, la réincarnation de ce dernier. Celle-ci, regardez bien, intervient sous les notes de tambour, comme le prouve la note de musique à la fin des onomatopées. Comme vous l'avez entendu dans l'introduction de cette vidéo, aucune parole n'est laissée au hasard. Dans Binks no Sake, nous pouvons lire « Les vagues danseront au rythme des tambours », tambour étant dans le texte précisé en majuscule, à savoir doramu, drum, tambour en anglais. Plus tard, nous retrouvons une onomatopée dans le texte, nouvelle empreinte de la volonté du mangaka à parler de tambour. Le don est en japonais l'onomatopée reprenant le son du tambour. C'est exactement le même que vous pouvez lire lorsqu'en effet, le tout premier battement de cœur de Joy Boy après 800 ans se fait entendre ici sur cette case. La phrase suivante, « Si tu t'accroches, le soleil demain finira par se lever », fait donc référence directe à la résurrection de Joy Boy et à l'aube nouvelle et étincelante qui s'amène. C'est en mourant, mais en revenant à la vie, en s'accrochant comme jamais auparavant, que la nuit de 20 ans arrivera donc à son terme, que l'aube du monde pointera le bout de son nez, que le dieu du soleil se lèvera. Revenu donc apporter la lumière entre les peuples, Joy Boy illuminera les hommes de sa bienveillance, car la liberté est comme le temps, rien et personne ne peut la censurer. La vie trouve toujours un moyen, et il ne fait désormais aucun doute que Monkey D. Luffy, héritier de ce qui se fait de mieux dans l'histoire de l'humanité, réunira le monde entier. Il tiendra la promesse de Joy Boy comme il accomplira son rêve. Celui qui se fit railler par ses frères. Celui d'unir l'intégralité des êtres vivants de la mer, du ciel et de la terre. Offrant à la toute dernière et double page de l'œuvre, un banquet avec l'entièreté des personnages du manga réunis autour d'une seule table, autour d'un seul repas, formant un seul et même tableau, une seule et même pièce, One Piece.